Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, on va voir si ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Ouais, je l'ai fini. J'ai fini les deux bonus aussi. Environ 3h, 3h30 de jeu. On dirait qu'il manque de l'information à l'histoire. Il n'y a pas de fin. Je l'utilise. Peut-être que je l'utilise là. Salut Ange DPS. Oh! Ça a fonctionné! Yes! Je suis en train de me demander, zut, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je vais... Vu qu'il m'a sauté dessus, il m'a fait du mal pareil. Hein. Salut à Shuri 470. C'est là. Bon. Tiens, toi, je suis dessus du coup.
Non! Humainement, ça va leur donner de l'énergie, ça. Mais là, je suis tout d'affaire de feu, moi. À part ça. Yes, sir. Je change mes éléments, là. Assem, ah, les voilà. Cette fois, ça va vraiment chauffer pour eux. Tout à fait, je vais faire de mon mieux, Cayenne. Ça va chauffer, attention. Ça va chauffer comme dirait Cayenne. Pourquoi ils ne nous auront pas? Je vais les réduire en bouillie avec un de ces éléments formidables que tu m'as acheté, Cayenne. Par des éléments d'invocation, ça me démange. D'une catastrophe catastrophique, je suis désolé, Cayenne, mais... Je viens de me rappeler que j'avais perdu l'élément invocation que j'avais sur moi. Comment ça tu l'as perdu? Ne me dis pas que tu l'as laissé tomber ou que ton chien l'a mangé ou une autre excuse bidon de ce genre. Tu mériterais vraiment une bonne raclée. Je ne suis pas stupide. Stupide, Cayenne, tu sais. En fait, si tu veux tout savoir, c'est ce mille pattes géant qui me l'a volé dans le marais du vide. Une fantastique expédition se serait très bien passée sans ça. Comment ça, les quatre géants t'a volé sans ton élément? Qui s'est glissé derrière toi et t'a fait les poches avec ses centaines de pattes, c'est ça? Non, Cayenne. Par voler, je veux dire qu'il m'a fait les poches. Je veux dire qu'il les a capturés en posant un piège à l'élément dans lequel mon élément s'est pris. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux bien m'expliquer qu'est-ce que ce piège à élément? Eh bien, c'est différent, difficilement difficile à expliquer avec des mots. Cayenne, alors je vais te faire une démonstration. Je vais poser un piège devant toi et ensuite je te demanderai d'utiliser un de tes éléments spéciaux. D'accord, c'est en l'air. Bien reçu.
Vois comment j'ai pris ton élément, Gaël. J'ai utilisé un piège conçu exclusivement pour capturer les éléments. Tout noir. Vois-tu, chaque piège fonctionne sur un seul type d'élément. Ils ne peuvent pas capturer d'autres éléments que ceux dans lesquels ils sont prévus. Incroyable. Je vois comment tu as pu te faire voler ton élément maintenant. Oui, je comprends. Bon, tu peux me rendre mon trou noir. J'aurais dû te le dire, je ne peux pas te le rendre. Tu ne pourras pas récupérer cet élément, sauf si tu mens. Si tu es un monstre, c'est assez stupide pour te voler le sien. Hein? Ce n'est pas si grave vu que tu l'as entre tes mains. Bon, pourquoi tu n'utilises pas l'élément que tu viens juste de piéger le souvenir? Allez, dépêche-toi, qu'est-ce que tu t'attends? C'est bien qu'on ne peut pas utiliser un élément sans en équiper comme il faut. Nous allons devoir attendre la fin du combat pour nous en équiper de vous utiliser. Oups. Et pas d'accord, hein? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Comment tu fais pour être aussi stupide? Cette fois ça suffit, tu vas t'en prendre une. Je suis désolé, Gaël. Pitié, ne me tape pas trop fort. C'est en train de se fesser, les deux idées. J'ai de fer, cuirasse de fer. Ça chauffe pour nous derrière. Ken! Je suis curieux par rapport à... Thank you.
Très bien, très bien. Que gèle chacune des salles. Je ne peux plus me déprendre de ça. Putain, je te dis.
Qu'est-ce que c'est, ça a l'air coincé. Hey jeune homme, tu veux te mesurer à moi lors d'un combat flamboyant? Allez, qu'en dis-tu? On va pas laisser le choix de toute façon.
Yes! Je m'attendais pas, mais j'ai perdu un personnage un peu trop tôt. Nouveau niveau d'évolution à terre. Pas mal du tout, jeune homme. Je suis certain que nous nous reverrons. Vous n'irez pas nulle plus loin. Quand tu es arrivé jusqu'ici, petit, les hussards d'Acacia, laissez-nous passer. Au nom des hussards d'Acacia, personne ne passera. Vous allez tous mourir ici. Le caribou, je te déteste. Je déteste tes amis, ta mère, ton père, ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Non, je déteste tout. Tout. Je te déteste et je te méprise. Je te hais du profond de mon âme. J'ai comme l'impression qu'elle a une dent contre toi. Mais c'est l'heure de mourir. Thank you.
Et voilà. Impossible, comment j'ai pu perdre? Cars, c'est bientôt là. C'est pas vrai, j'aurai ma revanche. Dragonia. C'est celui qui a rempli les cantines pour assister à la cérémonie. Les cristaux de couleur doivent être retournés à leur grand-mère. Alors c'était tout pour l'aventure du jeu. Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!